Bonjour. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Spirou 2. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, hein, le retour de la canicule. Si vous regardez ces vidéos en décembre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Et effectivement, aujourd'hui, 2019, tout ça, il fait super chaud et on crame. Et du coup, je vais éviter de trop traîner pour que cet épisode dure 40 minutes, parce que dans 20 minutes, je suis littéralement fondu. Je me demande si on peut casser ça, en fait. Ah bah oui. Ah bah ok. Très bien. C'est vrai qu'on entendait un petit bruit, mais le caillou m'avait l'air un peu dur, un peu gros. Faut que je récupère ce que j'ai pris à la toute fin de l'épisode précédent, parce que j'ai toujours pas trouvé... Oh, ok. Quelqu'un pour sauvegarder mon avancée. Et puis je vous propose d'aller en bas, là. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, je sais pas ce qui se cache là. Il y a des pingouins partout. Y a pas un niveau ici. Attends, mais en quoi c'est... Ah si! Ah oui, d'accord. D'accord. J'ai comme une légère impression que c'est peut-être une mauvaise idée. Ouais. Fais un dernier tour de circuit, Ce n'est pas si cher que ça, tu sais. Ouais, 200 gemmes. Tiens, il y a un squigwheel en haut à droite. Tiens. J'ai choisi judicieusement. Je suis sûr qu'un dragon malin comme toi va regagner son argent en un rien de temps. Ce n'est pas un problème. Ah, circuit du canyon. Très bien, circuit du canyon. Du coup, voici notre dernier réel point de compétence. Moins de 1 minute 10 avant l'arène de Ripto. Et puis tous ceux qu'on n'a pas fait, bien sûr. Alors, je sais pas si on le fera aujourd'hui, celui-là. Mais bon, on va quand même tenter. Je sais pas comment on va là-haut non plus. Il doit y avoir un autre passage. Écoutons-nous, s'il vous plaît. On fonce là-dedans à mes grands risques et mes grands périls. Voilà. Et c'est parti. Alors, nous, on a plus les pigeons géants. On a les... Oh bah, je viens d'en rater, hein. C'est pas grave, on observe un petit peu. On observe un petit peu, c'est pas une cata. Qu'est-ce que c'est bête? Alors, eux, faut les prendre... Quoi? Alors ça, on me l'a répété plusieurs fois, hein. On a la supercharge infinie, ici. Enfin, peu importe la surface. Des anneaux, ok. Des anneaux. Bon, là, au moins, tu sais que si tu touches l'eau, entre gros guillemets, tu meurs. Effectivement, parce que ce n'est pas de l'eau. C'est de la lave. Ce bon vieux système de lave. Il n'y a que de l'eau. Attendez. Je vois pas les trucs. Je peux pas les voir, là. Il n'y a qu'un seul Squigwee ici. Non, attendez. Je sais plus comment ça marche. Forcément un Squigwee à la fin. Attendez, on voit le résumé. Est-ce qu'il y a que trois trucs? J'ai trouvé que trois trucs. Ah non. Il y a les vautours aussi. Anneau, vautour, bélier, motard. Vous avez vu des vautours? J'ai pas vu de vautours. Mal barré ça, c'est mal barré, j'aime pas ça. Bon, en tout cas on a l'air d'avoir un chemin. Ça à la limite j'aime bien. Maintenant faut arriver à le faire vite. Oh là, c'est pas comme ça par exemple. Surtout pas comme ça. Là il y en avait un, voilà. Ça c'est celui que j'avais raté. J'en ai raté d'autres là. On va essayer de trouver les vautours. Je sais pas où ils se plantent les vautours. Je pense que je vais plus vite en faisant ça. Ouais. On va plus vite avec la supercharge, hein, plutôt que de voler sur les trucs. Les anneaux, ça va, c'est facile. Ils sont tous ici. On reprend avec eux. Mais où sont les vautours? Là, je suis pas allé voir, par exemple. Là, c'était leur circuit à eux. La caméra, elle fait n'importe quoi. Où sont les vautours? Est-ce qu'il faut simplement que j'aille beaucoup plus haut en volant? Ah, le timer va arriver à zéro, j'aurais pas vu. Là, je suis jamais venu, donc... Ah, oui, ok. Ils sont en haut. Ah, ils sont pas évidents, ils ont pas vraiment de route parce qu'ils sont juste en cercle comme ça. Très bien. Oh, bonjour toi là-bas. Ok, donc lui il est là-bas. Bonne nouvelle. On sait où il est. Il est vers les vautours. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bien. Eh bien, c'est parti. Maintenant, on est au courant de tout. On y va. On est confiant. C'est parti. On va faire ça. Regarde. Je continue le chemin. Je teste quelque chose. Hein. D'accord. On a pris un chemin différent. Un chemin de vie différent, mais tout le monde arrive à bon port. Je reste confiance. Alors je reste confiance, mais on n'est pas dans la bonne, dans le bon sens. Du coup, on les obtient pas
Oh, peut-être que ça va. Parce que c'est vrai que quand on est en contresens, on les a plus vite. Ah bah voilà. Ah, il en manque un. Et il est là. Oh non, je viens de gâcher tout. Je viens de tout gâcher. Ah. Quoique. Non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Bon après, peut-être qu'on aurait pu avoir le... Oh mon dieu, je vais pas y arriver. Non, 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 non. On aurait peut-être pu avoir le point de compétence en même temps. Il me semblait que quelqu'un m'avait dit que c'était faisable. Ne pas mourir. Où sont les vautours? Toi, toi, viens là, viens là, viens là. Dernier, dernier, où es-tu? Oiseau, petit oiseau, petit oiseau. Petit oiseau, non, il est où? Il est où? Ma vie est dégueulasse. Bon, je trouve quand même qu'on avait un bon chemin. Donc on peut peut-être se refaire. Déjà, si j'arrive à obtenir le motard du premier coup, ça pourrait peut-être changer pas mal de choses. Allez. On reste sur la route, finalement. Oh ! Bon, cette fois, s'il vous plaît, on ne se fait pas avoir par le dernier. On est bien parti. On est bien, bien, bien. Il faut pas sauter sur le dernier, il faut pas sauter, il faut pas sauter, il faut pas sauter, j'ai la confiance, il faut pas sauter, il faut pas sauter, il faut pas sauter, il faut pas sauter. Voilà. Quoi? Mais relève-toi! Mon dieu, non, non, j'ai perdu quelques secondes là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va finir au moins une fois. Tant pis si on fait pas la 1 minute 10. Où sont les piafs? Piaf, 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 piaf. Dernier piaf. Et voilà. Point de compétence! Mesdames et messieurs, le double objectif, 1 minute 7. Il était clairement plus simple que les autres, celui-là. On a vraiment une route qui est super optimisée. Très bien. Mais je reste content de cette petite performance. On va chercher le zgouigoui. Tiens, regarde, je tente un demi-tour. T'as déjà vu ce qu'il y avait derrière, là? T'as déjà vu ce qu'il y avait derrière? Je te montre le derrière. Donc, on va aller chercher chasseur, voilà. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Qu'est-ce que c'est que cette soucoupe? Bonjour. Bonjour! Très bien, Spiro. Tu es prêt à essayer mon avion? Je viens de le réparer, et je suis presque sûr qu'il ne s'écrasera pas. Comme je le disais, je suis extrêmement confiant dans l'avenir et dans ma survie. Faisons un tour. Bon, Spiro, voici ce que tu dois faire. L'avion est télécommandé. J'ai pas besoin d'instructions! Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Ah, j'ai pas bien fait, je vous le dis! Si, si, c'est pas moi qui dirige, c'est pas moi qui dirige. Je fais que ça, moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai cru que j'allais me faire avoir. Ça va, ça va, ça va. Oh, le dirigeable. C'est facile. Non, faut pas dire ça. Je dis pas que c'est facile. D'un coup d'un seul, il va y avoir une espèce de fusée. T'auras 3 frames, 3 secondes. Non, 3 frames, c'est plus rapide. 3 frames pour le toucher. Et tu vas pas faire le malin. Tu vas pas faire le malin. Bon, puisqu'on peut spammer, honnêtement, ça aide pas mal. Dirigeable là-bas, regarde, il croit que je l'ai pas vu, il croit que je l'ai pas vu. Mais je l'ai vu, j'ai l'œil vif. Ensuite. Ah! Mais le truc a tourné en même temps, c'était insupportable. C'est pas grave, c'est dur de les avoir toutes. J'ai pas de commentaires à vous dire. Faites bien gaffe à pas vous moquer, hein. Hein? Faites bien gaffe. Je sais que vous êtes là à vous dire « Ouais, il dit que c'est facile, tout ça... » Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Méfiez-vous du virage, méfiez-vous du grand virage de la mort. Voilà, le grand virage de la mort. Et du double, c'est bon. Bravo, tu as eu toutes les on a perdu à la dernière seconde. C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Ah, bon, en tout cas, on a terminé le dernier niveau de vol. Donc ce qui est déjà pas mal, on va reprendre un niveau un petit peu plus classique et se détendre. Niveau terminé à 100%, je voudrais m'en aller s'il vous plaît. Bah vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai la soudaine envie de retourner dans des anciennes zones pour compléter ce qu'on n'aurait pas fait. Je sais pas, une envie comme ça. Alors que l'épisode précédent, je crois que je vous ai dit « Oui, on va faire le dernier boss puis on reviendra ensuite. » Eh bah, j'ai changé d'avis. Je vais aller dans les plaines automnales. J'ai envie de finir un niveau qu'on n'a pas complété à 100% parce que je ne pouvais pas le faire. Retour vers le passé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, aïe, où nous allons à Lueur.
Voilà, donc ceux qui connaissent le jeu ont bien vu que je m'étais pas téléporté au bon endroit, mais c'est pas grave, parce que le secret, c'est les ellipses. Et nous allons à Lueur, rappelez-vous ce bel endroit que je prenais pour une warp zone, et du coup je comprenais rien, je me disais, mais quoi, une warp zone dans une warp zone, mais rien ne va. Allons-y, parce que maintenant je peux grimper aux échelles, je peux taper les rochers si besoin, je peux nager, je peux tout faire. J'ai avec moi un éventail de capacités absolument incroyable. Oh là là. Ça rappelle des souvenirs. Quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? Ça rappelle des souvenirs, non? Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, zéro zgouigoui. C'est comme si on avait tout à refaire, toute une nouvelle vie. Et plein de gemmes. Donc en fait, faut bosser, quoi. Tiens, déjà ici, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait ici? Eh bien, absolument rien. Voilà, j'ai dû le faire déjà. Très bien, très bien. On va tuer tout le monde. Voilà, on va essayer d'aller vite. Et d'essayer... Oh! On va essayer d'être efficace, hein, comme d'hab. Tiens, regarde, il y a déjà des trucs qui traînent qui n'ont pas été ramassés, là. On prend. Hop là, aïe. Non, 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 non. Efficacité. Vous savez, la technique speedrun, bien sûr, hein. On en a déjà parlé, la technique speedrun est très importante. Je me souviens d'un niveau aussi, où il fallait grimper sur un truc et où je savais pas voler correctement. Voilà, je sais pas si on le fera maintenant, après je vous dis pas qu'on va faire tous les vieux niveaux, là. On va simplement refaire celui-là. Mais comme on avait un niveau de vol, en général, maintenant, les niveaux à la fin du jeu durent déjà bien longtemps, donc j'aurais vraiment dû... Oui. Bah oui, merci. Enfin, ça aurait vraiment duré vraiment très longtemps. Ah, il faut quand même tuer des ennemis, là. Il faut quand même tuer des ennemis. Nous avons aussi installé des lampes dans cette grotte, mais elles sont plus dures à garder allumées. Il te faudra absolument le bonus super vol pour y arriver. Pas de problème, je vais tuer des gens. Pas de problème. Finalement, ça nous fait un petit peu un niveau de vol, puisqu'il va falloir allumer les loupiottes. Donc quoi, on reste dans le thème, on reste dans le thème. Je crois que j'avais oublié une gemme toute pourrie, là. Ou alors, je l'avais récupérée en vidéo, je sais plus. Genre par là. Non, je l'avais pris. Je sais plus, je suis perdu. 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Mais ça m'étonne parce que les zgouigoui finalement. Pourquoi j'en avais 0? J'ai vraiment raté autant de choses que ça. Parce que autant l'échelle, je me souvenais que je l'avais raté. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le reste... Ah non, je crois que j'ai... Oui. Oui. Il me gonfle. Merci pour la pioche. Je me souviens, j'avais pris le portail direct, je crois. Enfin, je crois me souvenir, en fait. T'as déjà obtenu ce talisman, je suis déjà au courant, hein. Ne me faites pas plus bête que ce que je ne suis. Je sais bien que je fais des erreurs, mais quand même. Donc, maintenant que j'ai les 10, il me semble, en tout cas. Oui. On va activer ça, et on va voir ce que ça donne. Et après, on explore. Mais tais-toi donc! Je vous ai fait un Mickey Mouse, là. Ah, c'est raté. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça, les lampes? C'est bien ça. 6 lampes. C'est parti. Elles sont de toutes les couleurs, de toutes formes et de toutes tailles. Ce qui n'est pas le cas. Mais j'avais envie de sortir cette phrase. Oh là. Oh là. Oh, c'est bon. Par le pouvoir des 6 sages. Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. J'ai bien cru qu'on allait devoir annuler la partie de baseball de ce soir. Tiens, baseball. Quelqu'un a mélangé cette orbe avec les balles de baseball. Oh là. J'ai soudain une peur d'un mini-jeu, vous savez, le truc de hockey, là. J'ai soudain cette peur. Alors, c'était assez passionnant, ton histoire. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Mais finalement, ça sert pas à grand-chose d'éclairer ça. Enfin, je sais pas en quoi ça les aide avec leur partie de baseball, mais bon... Peut-être qu'il y a vraiment un truc spécial ici. Alors, on va venir ici parce qu'il y a quelques joyeux joyaux. C'est tout, hein? Je pense que oui. Je sais pas s'il y a un truc à récup en volant. Ah bah non, ça me l'a enlevé, je crois. Du coup, je crois qu'on n'est jamais venu du tout ici. Regardez toute cette... ce nouvel horizon. Merveilleux. Oh. Mmh. Non, j'ai cru qu'il y avait un truc, c'était bizarre. Toi. Ces petits lézards ont dévoré toutes mes gemmes. J'ai essayé de leur lancer des pierres,
mais ils étaient trop rapides. Tu peux essayer de leur en lancer une. Si tu as la moindre question, demande-moi. Mais on a déjà fait ça. Je suis perdu. Bien joué. Suis-moi jusqu'au prochain lézard. Je suis perdu mentalement, je sais plus si on a fait. Mais c'est pas... Mais non, mais va pas commencer à pas sauter, toi. Allez, hop, voilà. D'ailleurs, ça se trouve, à lueur, il y avait un truc, non? Non, il y avait rien. Il n'y avait point de point. Toi, tu meurs. Il y a du super vol. Moi, je le suis, hein. J'obéis aveuglément à mon maître. Tu craches très loin, Spyro. Voyons si tu peux atteindre ce lézard tout là-bas. C'est bien parce qu'on fait les tutos maintenant. Au moins maintenant je maîtrise. C'est bien. C'est quand même pratique. Hop ! Je maîtrise ! J'ai l'impression d'être doué. C'est fou. Ah, merci pour vos commentaires. Hein. Je sais qu'à chaque fois que je dis que je suis très mauvais, vous êtes quand même là pour me rassurer un petit peu. Bon, on va dire que je suis pas très mauvais, mais que je fais quand même des bonnes grosses boulettes. Voilà. Tiens, faudrait pas allumer ça encore, parce qu'il y a toujours les... Et si... Faut tout allumer. Ok, chaque chose en son time. On va d'abord finir le coup des crachats. C'est toi qui craches ? Pour atteindre ce lézard, tu dois bien viser. Appuie sur... Ouais, pas de problème. Pas de problème. Facile ! Est-ce que j'ai envie de te suivre? Ouais. Aveuglément. Comment ça on retourne dans des anciens trucs? Ça ne me plaît pas. Il n'y avait pas d'ennemis avant. Où es-tu passé? C'est toi là? Ouais, c'est lui. Bonjour, je suis là. Avance vers une pierre pour la prendre dans ta bouche. Mais elle est où? Alors, la lampe a dû s'éteindre. Vous avez vu une pierre, vous? Bruh. Et puis au pire, hein, qui a besoin d'une pierre quand on peut faire ça? Ça a marché! Qui avait besoin d'une pierre, franchement? Hein? Personne. Ensuite, retour au tout début, ok. Voilà, on se débrouille comme on peut et... Système D. Bon, après là, s'il y a encore besoin de pierre, ça va être chaud, hein. Puisqu'il n'a pas l'air de vouloir m'en donner. Surtout, te presse pas, hein. Ah bah voilà. Je sais pas, peut-être qu'il me l'avait donné. Hein. C'est juste que j'ai peut-être pas vu. Et le petit dernier. Ah, faut monter. Ouais, il a dû me la donner. Où il est? Ah, vous êtes comme ça. C'est nul. C'est bon, calmez-vous. Super! Tu as sauvé mes gemmes des lézards. Tiens, prends cette orbe. Une fille avec des ailes l'a lâchée ici hier. C'est bon. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Quelques difficultés mineures. Ensuite, il faut allumer les lampes. Et on aura terminé ce niveau à 100%. Et on pourra s'en aller. Les lampes. C'est vraiment le niveau tuto, hein, donc pour une fois, ça me facilite la vie. Le bonus super vol est activé et tu peux rallumer nos lampes à gemmes. On est au courant, je te jure, on est au courant. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment... C'est pas difficile. Je pense que je m'en sors. Ça va. Je me risque à dire que c'est ultra facile et que je risque rien, d'accord? Je l'ai risqué. Oh, remarquez comme je... Provoque le karma. Je finissais pas ma phrase parce que j'ai vu... Un truc à gemme. Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. Une fée m'a offert cette orbe, mais je préfère les gemmes. Tu peux le garder. Tu t'es pas mis à sauter d'un coup sec, toi?
Bien. Envolation. Supersonique, très bien. Hop. Nous n'avons pas toutes les gemmes. Ah bah non. Regarde donc. Oh bah non, il y en a partout en fait. J'ai rien nettoyé. Hein. Ça, c'est un mauvais Dyson, ça. C'est un Dyson... Il a trop servi. Toujours pas? Toujours pas? Allons-nous en être forcés d'utiliser Sparks? Combien il en manque? Il manque pas beaucoup, hein. Oh. Je crois que j'ai pas le choix. Franchement, j'ai un peu honte. Attends, je suis pas allé là-haut. Attends. C'est non. Pourquoi je suis pas venu là s'il y a rien? Voilà, je trouve ça suspect, mais bon. Bon, ok, Sparks. Bah, tu montres ça. Je te promets, tu montres ça, là. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est au début, c'est tout. Je suis de plus en plus dubitation. Mais non. Mais qu'est-ce qui va se passer, là? Ou alors c'est là? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sparks. Vous mentez, ma chère. Ah non, ça m'enlève pas. Si, ça m'enlève mon pouvoir, je suis pas fou. Non mais c'est clairement dans le truc que j'ai dit, en plus, je rêve pas. Peut-être depuis le tout début... Non, mais non, c'est improbable. Quoi? Elle sort d'où, elle? Je maîtrise! Quoi? Pardon. Pardon. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ah! Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais brancher la manette. Parce qu'apparemment, il n'y a plus de batterie. C'est vrai qu'elle me l'a dit plusieurs fois. Ouais, je vais la brancher quand même. Je pense qu'on va pas prendre de risque. Alors, c'est celui-là. C'est bon? C'est bon, là, je viens de la brancher. Hein. Faites pas genre. Voilà. Ok. Je continue mon investigation. Ok, alors il n'y a aucun secret, il n'y a aucun mystère, je suis juste mauvais. Voilà, vous avez maintenant la vérité, hein. J'ai pas d'autres mots pour vous. Ah là 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 là. Moi, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter, rien à dire. On s'en va. Fin de l'épisode. Merci. Non, ça, on l'a déjà vu. Hein. On va le regarder quand même. On l'a déjà vu? Je me souviens pas. Je me souviens même pas qu'on ait vu ça. On va s'arrêter. On va s'arrêter pour cet épisode. La prochaine fois, on retourne au niveau qu'on n'a jamais vu. On va terminer ce jeu. Hein, et après, on complétera à 100% comme il faut. Voilà. Là, je pense que... Vous savez quoi? Moi, je pense que c'est pas moi qui suis mauvais. Déjà, c'est la manette. La manette, vous avez bien vu, elle se déconnecte. Donc forcément, ça n'aide pas. Hein. Mais c'est aussi la chaleur, la canicule, qui fait que forcément... Tu réussis moins bien les choses, tu captes moins bien les choses, tu n'es pas aussi vif que d'habitude. C'est clairement ça qui a joué aujourd'hui. Voilà. Ainsi, je vous dis à la prochaine, des bisous, portez-vous bien. Bye bye.